qu'une dure journée. Chérie, c'est moi. Oh, tu dors déjà. Je m'excuse, avec la crise économique, je suis obligé de faire des heures sup. Du sang? Mais c'est quoi ce bordel? Qui est là? Vous êtes sur une propriété privée. Sortez de chez moi! La cartouche. Quelle? Des clous. Non mais vous avez vu l'heure qu'il est. Vous téléphonez souvent chez les gens à 3h du matin. Mais il est 6h30, chef. Mais je m'en fous qu'il soit 6h30, moi. Je me lève pas avant 7h d'abord. Mais laissez-moi vous expliquer. On vient de trouver un mort. Un mort? Et vous me réveillez pour ça? Bah oui, je savais pas quoi faire, moi. Bon bah, laissez-le là. De toute façon, il va pas s'enfuir. Retournez vous coucher, je viens pas avant 8h. Vous amenez les croissants? Et pourquoi est-ce que j'amènerai les croissants? C'est sur votre chemin, chef. Bonne nuit, des clous. Oh, vrai, mais c'est vrai. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Chef? Il est mort? Mais non, imbécile, il ramasse des champignons. Ah bon? Il l'a eu au couteau. Oh les salauds, ils nous ont perforé la tempe. Il n'y avait aucune chance de s'en tirer. Il appelle le coup, chef. Mais comment voulez-vous que je sache? On n'a même pas de témoin. Ah si, on en a un. La femme de ménage. Vous imaginez? Vous venez pour prendre la poussière. Vous vous retrouvez devant le corps de votre patron en train de mordre la poussière. Allez me la chercher. Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire ça? Parce que vous, Yvan Desclous, êtes mon adjoint. Et que moi, Gérard Lacartouche, suis commissaire. Voilà pourquoi. C'est toujours la même chose. Arrêtez de ronchonner. Je ronchonne pas. Bon, elle vient cette femme de ménage. Une minute, j'y vais. On dirait pas. Comme pour être grognon, vous. Bonjour madame, commissaire Gérard Lacartouche. Et son adjoint, Yvan Desclous. Pourrais-je vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Allez-y, mais faites vite. C'est que j'ai encore d'autres foyers à nettoyer, moi. Il y a mal à la fin de la journée. De toute façon, j'ai rien à cacher. À la bonne heure. Quand avez-vous trouvé le corps? Ce matin, en arrivant pour faire le ménage. Il y a de la poussière, là. Et quelle heure était-il? Il devait être vers les 6 heures. Vous êtes matinal, vous? Vous venez toujours aussitôt? C'est que j'ai encore d'autres foyers à nettoyer, moi. Faut bien gagner sa croûte, hein. Et est-ce que M. Martin avait des ennemis? Peut-être bien.
J'en sais rien, moi, on se voyait presque jamais. Ah, c'est con, ça, hein. Et sa femme, vous la voyez souvent? Pas beaucoup plus. C'est que c'était des travailleurs, tous les deux. Ah, il y en a. Bon, vous m'embêtez, des clous. Allez surveiller la porte. Mais... Y a pas de mais. C'est toujours la même chose avec lui. Vous m'embêtez, des clous. Allez surveiller la porte. Et arrêtez de ronchonner. Ronchonne pas. Oh. Je me demande encore comment il a fait pour entrer dans la police. Il a dû payer l'examinateur, c'est impossible autrement. Peut-être bien, mais peut-être pas.